Non, je ne veux pas. Et lui, quand il a commencé à porter ça, ok, moi je l'ai dit. Quand il a dit, il faut ça à la maison. Voilà ce que c'est là, ouais. Amen. Il aime ça, non, il va dehors pour chercher. Oh, ouais, moi, on me dit, on va aller voir. C'est ça, moi, le problème. Amen. Mais là, oui. Faut tout faire pour voir pourquoi ton mari. Oui, mais maison, c'est vous, on me dit, on me. C'est ça que quand ton mari te touche, non, ok, ok. Faut pas refuser. Non, il y a. Mais toi aussi, tu n'es pas lapin, sorcier. Chaque jour, si la femme, chaque jour. Laisse-moi un jour. Viens voir, il y a des gens comme ça. Viens voir, go. Non, mais l'homme, c'est l'homme. La Bible dit quoi? Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Moi, moi, je n'ai pas le nini. Vous allez dire que non. Allons-y dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. C'est ça le problème. C'est-à-dire vous-même là, vous envoyez sortir l'église dans vos foyers. Non, c'est un problème de problème, bonjour. Non, laisse-moi. Laisse-moi, je suis fatigué. Tiens, qu'on avance. Tu ne sais pas fatigué. Moi, je sais où. Amen. Ici, là, c'est comme ça. Avant de prêcher, j'assèche le foyer. Parce qu'il y a ce qu'on est ensemble ici, parce qu'on vit dans le foyer. Et quand on sort d'ici, là, on a une réalité. On a une autre vie. Donc ça ne vous donne pas des enseignements. Là, vous allez voir sorcier en train de vous chasser dans vos coins. Ou toi-même, tu te comportes très mal dans le coin. Amen. Le verset 4. 1 Corinthiens 7, le verset 4. T'es qu'à Corinthiens, vous-même, boisson, c'est aimé, mon. Le monsieur va dire, parce que là-bas, on dit, quand il vient, on dit, il faut faire. Comme toi même, c'est bien, quand il veut y. Oh, un bien, non. Toi, tu mets 2 semaines d'abord. Mon zé, il y a une semaine. Tu mets ton mari sur gel. Et ça, c'est lui. Alors, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. C'est son mari. C'est son mari. Il a le plein droit sur ton corps. Moi, quand vous dites, n'a pas de coup. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son si corps. Si tu as envie de faire, dis à mari, il fait. Mon gars, quand même, mon nom, il y a un autre. Il y a un autre. C'est ça mon problème. C'est la belle fête. Mais c'est la Bible qui dit. Mais c'est la Bible, c'est dans la Bible. Il n'est pas pris ça ailleurs. Il est connu. Oh, celui-ci. Amen. Amen. Il n'est pas pris ça ailleurs, il est pris dans la Bible. Il est connu. C'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Il est disposé, ça veut dire quoi? Il n'est pas le maître de son corps. Il doit brrr. Il dit il est fait. C'est pas un péché qui fait pas. Et les gars, ils sont là. Et ça, là, c'est. Tu as fait ça pour faire. La gamme, dans le foyer. Le rapport sexuel se pratique dans un foyer. Oui. Qui a pris ça, il n'y a pas là. Mais là, il dit bien quoi. Comme vous, quoi. Là, tu parles à marier quelqu'un qui bande pas. Excusez-moi. Et les oui, bon, ok, on connaît quand même. Hein? Elle dit, ça ne parle pas. On aime le haut. Tu n'es pas ta petite sœur. Et non, 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 non. C'est quoi ta petite sœur? J'ai dormi. On passe au coquet, les noms de quoi? Il est où? Mais vous-même, vous savez que c'est vrai? Aïe, va bien, il est noir. Aïe. C'est la vérité? Il est noir. Aïe, mon grand frère qui est couché à côté de toi. Non, il est mort. Il est mort pour vous. Et nous tombons pour vous. Et les rapports sexuels dans le foyer. Le ni à caillère. Il faut bien pratiquer ça. Il y a un an. Il y a des jours, je vous enseigne beaucoup de choses. Il y a un an, il y a un an. Comment faire? Comment? Il y a des choses qu'on doit faire. Il est un homme. Il va plus aller dehors. Et qu'il y a un double bébé. C'est vous-même qui faites que le monsieur s'en va. Aïe, quand on met. Amen. S'il dort. Il est... faut le prendre. Oh, quand on garde, Zadi, moi j'ai fait. Amen, on a un canon. Non, mais toi-même, là, tu es intelligent. Moi, tu sais comment réveiller l'esprit de l'homme. Il y a un copain au goût. Quand c'est dit, bon Dieu nous a donné intelligence. On y a un dégât, car c'est comme ça. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Oui, parce que quand on quitte ici, il y a le foyer. Vous allez retourner dans le foyer, il y a des réalités. Amen. Il ne faut jamais refuser à ton mari. Le mari, il ne faut jamais refuser à sa femme. Généralement, dans ça, là, l'homme est toujours égoïste. Quand il finit de faire son plaisir, il laisse. C'est dangereux. Amen. Il faut toujours demander à la femme si elle est satisfaite. Il y a un homme qui a une école. Non mais moi je vous dis la vérité. La femme doit satisfaire, par exemple elle est satisfaite, elle doit satisfaire. Elle a emmené maintenant. Elle est quand même jouée. Elle a joué avec elle.
tu as envie, toi tu fais, elle n'a pas envie, toi tu t'en fous d'elle. La Bible dit savoir si elle est satisfaite. Et là, il met la haine, elle dit, oh, maman, mais plus. C'est comme ça, tous les deux doivent être satisfaits. C'est une seule, un seul homme. Rapport sexuel, c'est pas un péché dans un enfant. Et là, vous faites ça là-bas. Et là, je vous en ai bien expliqué. J'en savais. Il est plus loin, bien comme. C'est pas ton grand frère qui a fait ça. Et non, 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 non. C'est la vérité. Amen, allons-y. Allons-y, viens, viens, viens. Non, il s'est fatigué. Laisse-moi. Tiens, mais quoi, monsieur Détou, laisse-moi. Encore, okay, attends, tiens, mais quoi, maman. Là, tu es. Toi, maman, vive. Lave la main, prends cadeau. Mais peu, quoi, n'y a pas. Ne vous privez point l'un de l'autre. Écoutez, il dit ne vous privez pas l'un de l'autre. Si c'est l'un d'un commun accord, vous devez vous entendre pour un temps afin de vaquer à la prière. C'est la prière seulement. Sinon, quand vous êtes là, vous devez aller ensemble. Ah, quand même, vous avez puis retourner ensemble. Il dit quoi? Retourner en quoi ensemble? Hein? Puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente. De peur que Satan ne vous tente. Donc, quand c'est mal pratiqué dans un foyer, Satan vient s'installer. Donc, et maintenant, nous l'avons. Nignemé, devenez combien il nous dit. Quand le rapport sexuel est mal pratiqué là, en ailleurs, il devient con. Attends, c'est ça. Devenez il va nous combattre. Mais à vous, toi, mon mari me satisfait, tu vas chercher des hommes. Et nous, tu as un cœur avec ma femme me refuse, tu as le bien. Et nous, on me l'a mis, et quoi, mais encore tout va te gars. Vous avez compris? Continuez. Amen. 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 C'est ça. C'est lui. Il y a souvent les problèmes. Mais là, si tu vois une femme au marché, elle a bien escargot. Non, vous direz. Poisson ton. Capitaine, ouais, j'ai cadre. Silu, c'est bon. Tout, c'est bon. Macharon, non, pas les macharons, c'est bon. Abouti, c'est bon. Pontépic, Baza, viens des bœufs, viens des coques, viens de la sauce. C'est bon, vous voyez, non. Et bien, monsieur mange. Pécoli. C'est qu'est-ce que le monsieur lui donne. Oh, il s'est mangé. Oh non, mais bon. Très bien. MMM complexe. Oh, il voit qu'il est dans la vie. Attends, de là. Comment t'es étonné que la sauce est remplie? Et il va en dire ça, ça va y aller. Abouti dedans, macharon, il y a capitaine. Ça va y aller. Parce qu'elle est contente. C'est ça qu'il faut réussir le cœur de la femme. Mais voilà, quoi? Moi, vous, les femmes, vous jouez. Les femmes, là. Moi, je les femmes, hein. La femme de Dieu, comme t'es comme t'as rendu. Moi, on veut dire, on est revenu. C'est ça que les gens disent que c'est que la femme de Dieu veut. Mais quoi, là, à même. Moi, la femme te soutient à 100%, tu as gagné. Moi, comme on voit sur cela, il faut une complicité dans un foyer. Et là, où le monsieur et madame doivent s'entendre. Et là, quand on pas que les parents viennent se mettre au milieu, non. Et là, ils sont arrivés. On expliquait ça. Ah, maintenant, il y a une bague. Monsieur doit tout savoir sur la femme. Je vous dis aujourd'hui. Quand on dit, on a dit, monsieur doit savoir ce que madame aime, ce que madame n'aime pas. Quand vous devez demander une relation, vous devez tout savoir. Ce qui lui aime, ce qui n'aime pas. Ce qu'il a vécu dans le passé, la déception. Chez les femmes, ce qui ne plaît pas. Il doit tout savoir ça. Vous vous entrez comme ça dans le foyer. Pisse, pisse, maman vient. Pisse. On dit quoi? Mais voici, allons chez toi, petit vessu. Oh, calme. Non, non, gagamo. Vous n'avez pas encore discuté de ma foyer, tes bagages sont déjà là. Anya, bébé, elle est là. C'est pas dans la foyer. Vous devez changer. Alors, nous sommes convaincus que, ah, et voilà, je connais le monsieur, il m'incombe. Oui, vous devez savoir, vous devez changer ma vie. Ah, il m'a dit que monsieur aime ce qu'il n'aime pas. Évitez ça. Ah, maintenant, il n'a que ça pour éviter les histoires. Il faut maîtriser son homme. Et là, il m'incombe. Il aime, il m'aime, ce qu'il n'aime pas. Vice versa. C'est tout. C'est qu'il est. Si tu as maîtrisé ce côté-là, tu as gagné l'homme. Et c'est encore. Amen. C'est fini. Il est tue. Et là, tiens, vous formez les enfants. Ah, et l'amour, vous devez vous aimer. C'est pour ça que dans le foyer, non, vous devez regarder plus de qualités que les défauts. Regardez des qualités. Si l'homme n'a pas que des défauts, l'homme aussi a des qualités. Nous sommes des pécheurs. Regardez les qualités de ta femme. Mais surtout, l'homme, la Bible dit à l'homme, aime. Donc ça dit l'homme même quand il va démontrer à sa femme. C'est ça. Et quand tu démontres à ta femme que tu l'aimes, c'est fini. Et bien, qu'elle fait marcher là. Ok, ça va nous gagner. Ok, mais vous cassez, vous vivez. Macharon. Macharon. 60 ans. C'est pour vous. Et vite le marché. Non, non, il va vous la main. C'est conteneur bien à la maison. On attend bien. Mon Dieu. Amen. C'est tout. C'est parce que vous êtes hypocrite. C'est-à-dire, vous,
vous ne pratiquez pas l'amour. Tu ne dis pas ta femme, tu t'aimes. Vous savez que c'est vous. Il est nourrice. Si la personne est nourrice, c'est la femme. Voilà, voilà. C'est une très belle question. Hey, yo, bonjour. C'est ça que je vous ai dit. Il y a là-bas. Marié, celui qui a la crainte de Dieu. Annie, à mon sort là, canon. Lui-même, il a les yeux. Ok, il a. La médecine nous dit. C'est ça, il y a là-bas. Après 3 mois. Tu t'as qu'à être plus. Il n'a pas de bébé. Ok, vous prenez. Il n'est pas intelligent, il ne connaît pas le sigle de la femme. Hein? Non, il n'y a pas mal de capote. Les sigles de la femme. Non, oh, il y a les moments de fécondité. Dieu, le plus grand scientifique. Là, comment il m'a dit. Toi-même, tu connais. Il y a des périodes où c'est problème de fécondité. Il y a des périodes où. Et il m'a dit. Tu dis à ton mari que tu es dans une mauvaise période. Nanako, il est. Lui, il est délivré, il ne peut pas faire. Oh, Dieu, Dieu, on est. Tu vas te comprendre. Il est comment alors? Lui, il est clapin, à tout moment, il va vouloir faire. Non, mais il veut quoi? Il ne peut pas faire 3 mois sans faire ça. Ça va le faire quoi? Il t'a nommé, c'est moi. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Ayez ceux qui ont la crainte de Dieu. Mais quand tu as à moi, en sol, même si tu as envie de faire, moi, je vais cet esprit, maîtrise-moi. En tout cas, nous, pour vous, il y a le. Le seul problème, c'est l'amour. Vous savez, quand on s'aime, quand il y a l'amour, on comprend l'autre. Et tu as peur d'aller tromper ta femme. C'est ça qu'il faut aimer. On a l'impression que les gens sont des attirances. Non, lui, il a comme des problèmes. C'est pas le véritable amour. Quand il y a un problème dans le foyer, c'est fini, il n'y a pas l'amour. Après 3 mois, si à 3 mois, monsieur te sortait. Qui est le premier bébé? C'est le monsieur qui est le premier bébé. Mais tout le monde est le bébé. Et c'est ça votre problème. Quand vous faites enfant, là, vous négligez l'homme. Mais là, oui. Vous passez tout votre temps avant de s'occuper de l'enfant. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant. Ah, ça dit, tu ne vas pas le bébé, va t'occuper de l'enfant. Je suis en train de m'occuper de l'enfant. Il y a un bébé. Il y a un attitude de l'enfant. Non. Le bébé doit avoir son temps. Alors, comment? Le bébé doit avoir son temps. Il y a un grand temps. Il ne faut pas mélanger les tutos d'accord des jeunes. Mais c'est vrai. Il a créé des jeunes. Il faut avoir assez de temps pour son mari. Il est blanc, compris ça. Blanc. C'est quoi nous, ils ont? Le petit, il a sa chambre. Il a quand même coupé. Vous nous regardez. C'est quoi nous, ils ont quand même coupé. Il a quand même coupé. Il a quand même. Blanc, même si il y a servant, même pour bébé. Parce qu'il accorde assez de temps à son mari. Oh, comment? Vous, quand vous faites enfant, c'est fini. Vous les jugez là. Il a calé. Quand il y a 10 000, 10 000. Je sais que t'es renversé ou tu t'en fous. Il y a 10 000, il y a coupé. Débattre en verset haut, tu t'en fous. T'as rien qui a vu quoi? Si en envers haut, tu t'en fous. Dis pas, il y en a eu, il y a 10 millions. Amen. Tu dois contrôler tout ça. Et là, viens les bons. Et puis là, Jésus. Amen. Quand l'homme doit sortir, quand la main, fais ton image, c'est dehors. Il y a toujours un peu de temps. On est d'accord avec ça? Il faut le contrôler. Donc, là, il y a des bons choses là. Tu vois, c'est pas ramassé. Regarde, ils ont fait les chaussettes. Tu regardes. L'homme aime les petites choses comme ça. Et vice versa. Si il aime beaucoup d'attention à l'égard de sa femme. Si il aime un goût, il m'a dit. Tu regardes ta femme, tu dis, ah chérie. Ah non, non. Faut que tu passes tes pelles à la coiffure. Mais non, non, où est-ce que tu coiffes un peu. Attends, où est-ce que tu tout. Chérie, faut que tu passes au salon. Mais c'est où. Chérie, pas avoir tes hommes. La femme aussi aime ça. Non, 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 mais non. Et quand. Amen. Amen. Quand tu reviens du service. Mais quand nous allons. En tant qu'homme, on suit ici. Si tu es à la maison. C'est fini dehors. Il est doué maintenant t'occuper de ta femme. Il a un grand. Pas forcément des rapports. Mais tu vas faire attention à ta femme. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au cours de la journée? Même les coups de fil. Là, les mots. Tu dois maîtriser ça. Et quand tu rentres à la maison, t'occupes d'abord de ta femme. Amen. Les blancs ont compris ça. C'est pour ça que ça marche chez eux. Quand ils ont vu quoi, il y a plein d'eau. Quand tu rentres à la maison, mieux c'est ta femme. Oh. Tu
tu dois aimer ta femme. Il a mon amour. On dit amen. Amen. Est-ce que ma tête saisit? Amen. C'est pour ça que je devais d'abord prier. Vous devez demander au Seigneur de vous donner un monsieur, un homme de sa crainte. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais les dégâts de la crainte de Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Et si un homme vous, si tu prends pour gamin à la maison, il y a un grand respect. Oh, comme quand on est chez eux, l'homme n'est pas trop confus dans ses portables, qu'on le contrôle. Il va faire ça. Et vous, évitez ça. Ah non. Évitez de dire, mais qui t'a donné chemise là?